m'avait regardé. Ça ne s'arrête pas là, c'est la même que ça commence. La saison mille, je sais, c'était juste les entraînements. Je suis ici à deux enfants, j'aime donner l'argent à tous mes fans, à tous mes glorieux, au moins des problèmes, appelez-moi. Pourquoi toi tu manques? Je manque pour la bonne cause, ma chérie. C'est pour la bonne cause. Ben, elle m'a
pas dit assez plus. Donc 15, j'ai pas dit. Tu n'as rien fait, tu pars. Tatine, veux-tu regarder aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain, ouais. Jusqu'à même pour toujours. Ça va, ça va. Reste. Ouais. Ma copine, c'est comment la gosse? Hey, ça va ma chérie et toi? Ça va? Comment passe? Depuis quand j'ai ce portail ouvert, il n'y a pas eu besoin de toucher. Ah, c'est pas grave. Ma dit, maman, ça fait ma soirée. C'était trop bien, ma chérie, coco. Maman, c'était magnifique. Imprégnée, pas comme les autres. Maman, c'était le but que tu aimais. Est-ce que tu aimais? Il m'a soulevé jusqu'au ciel. Maman, il m'a soulevé jusqu'au ciel, ma pauvre. Oh, il est plané dans l'air. Attends. Tu dis que Yann vous a soulevé jusqu'au ciel? Oui. Jusqu'au ciel? Gloria, je t'ai dit de ne plus te mêler ce qui te concerne pas, non. Sors! Ah, ça va, mon tante. Tu m'as demandé moi ce monde. Ça va, je sors. T'as la veille, je sais. Hey Gloria, qui t'a dit ça? C'est ma grande soeur, je l'ai entendu parler avec sa copine. Elle était en train de dire que Yon les a soulevés jusqu'au ciel. Qu'aujourd'hui, même encore les soulever jusqu'au ciel. Gloria, donc c'est possible? Oui, Tessie, je suis sûre qu'elle a vu, je suis sûre. Parce qu'elle souriait quand ça arrivait ici aux oreilles. Qu'elle dit... Hey Gloria. Ok Gloria, moi il va aller dire à ma mère qu'il veut qu'on me soulève jusqu'au ciel. Ok, t'es si moi aussi, on va surtout me soulever jusqu'au ciel. Salut alors Gloria. Bye bye. Je vais faire ça la réunion tout à l'heure. Je vais te trouver quand tu l'as Bye bye Tantine, bye bye Gloglo. Oui Tantine. Tantine, tu vas dire pourquoi on te soulève jusqu'au ciel? Pardon. Ça veut dire quoi? Yo maman, aujourd'hui tata et sa copine est venue ici. Hier, on les a soulevés jusqu'au ciel. Qu'est-ce? Et tata m'a bien dit que elle est à l'aise. Attends, lève ta voix mon pied. Attends, je comprends pas. Attends, maman, mais on parle de quoi ici? Maman, moi je veux qu'on me soulève jusqu'au ciel, va le voir Dieu. Non, mais c'est quelle histoire de soulever non, jusqu'au non, ciel? Pas ça, pas. Attends, mais attends, on parle de quoi ici? Non, c'est pas ce que tu crois. C'est un mot que j'ai employé. Lulu. Lulu. Moi aussi, va le voir Dieu, comme... moi aussi, qu'on me soulève jusqu'au ciel, non, va le voir tu Dieu. Parles comme ça pour qu'on te soulève jusqu'au ciel, madame. Non. Donc, c'est l'anniversaire de ta copine. C'est l'anniversaire. Et c'est venu jusqu'au semaine chercher qui est dedans. C'est seulement un mot que donc j'ai employé. Donc c'est ce que tu avais fait hier. Non, c'est un mot que j'ai employé. Passe. Sortie annulée. Allez. Et en plus, la bonne... Viens. La bonne arme, ça, quand même. Pour qui te prends-tu? Allez, on va se lever. Maman, moi aussi, quand je me soulève jusqu'au ciel, va le voir Dieu. Tu vas quoi te soulever ou... Jusqu'au ciel. Ça dérange. Allez, va dedans rapidement. Maman, pourquoi tu n'as pas de voir Dieu? J'ai dit... Arrête. Mec Dieu. Naomi, soulevez jusqu'au ciel. Mais toi là, tu déranges. Déranges avec quoi, papa? Ouais, le dossier là. T'es que non, je t'ai suivi ce matin. Elle m'a rassuré que ce sera la quinzaine. Elle m'a rassuré, elle m'a dit qu'elle a déjà demandé à la pénitence à t'attendre. Elle était d'accord. Mais elle te dérange, tu as ce petit petit comme ça. Tu vas m'en battre comme ça. Bon, t'es un peu, je vais bien décider d'appeler pour voir. Appelle-la.
Allô Naomi. C'est comment mon dos, tu regardes même le. Il est à 16, ils ont placé en haut, t'attends depuis là, c'est comment? On te laisse à ton gars comme ça, ton placé en haut, tu fais comment? Il passe au téléphone. Ouais, mon canard en suit, c'est comment? Oui, allô, chérie. Mais depuis qu'on t'attend là, c'est quelle manière ça? Ouais, c'est pas facile. Tu sais, non, la situation ici n'est pas facile. Ma tante, quand tu vois là, elle complique. Ta tante, c'est qui? Même si tu escalades, tu as venu me voir aujourd'hui là. D'accord, il t'attend. Hein. Me pose pas un lapin. Ouais, t'en fais pas. Je vais jongler comment que. Je vais faire tout ce que je peux pour venir. Tu suis, non? Ok, bébé, s'il te plaît, attends seulement quelques minutes encore. Je vais venir. C'est très compliqué ici. Ma tante te dérange un peu. Ok, mon chéri. Je t'aime aussi. D'accord. T'as dit non, c'est une bonne confiance, c'est dérange, pas ça là. Non, je sais, je sais. Ça rend des petits comme ça, c'est mon balcon, bisigna quoi, gars. Tu m'as dit d'avoir un bon vin blanc. Tout à l'heure, ça s'est passé, ouais, dérange. Ça va manger fort. Okay. Gloria! Gloria! Mama! Bon, mon bébé. Maman. Je t'ai dit tout à l'heure, non. Je vais arriver à la réunion là. Mais je t'appelle, range-moi ces choses, je vais mettre ça dans ma chambre. C'est quoi tu vas faire? Écoute-moi très bien. C'est quoi tu vas faire? Les histoires que ta soeur a commencé aujourd'hui là, je ne suis pas d'accord. Et je compte sur toi pour mettre tes deux yeux sur elle. Maman. D'accord? Maman. Personne dans ces copines bizarres là, je ne veux pas que quelqu'un entre ici là. Elle me gaspille mon salon. Elle me fatigue le salon. Je ne veux pas. Est-ce que tu m'as compris? Non. Je peux compter sur toi. Maman, j'ai compris. Tu as compris? Oui, maman. Je peux compter sur toi. Oui, maman. Ok. Bon, j'arrive. Je cours à la réunion là. D'accord. Maman. Ok. Gloria, depuis que tu n'as pas encore vu une fille avec la barbe. Oh. T'as dit, moi, j'ai jamais vu ça. Oh, c'est elle, ta petite soeur Gloria. Elle est trop mignonne. Ah, allons-y. Thank you.
les gens entrent dans mon salon, hein. En tout cas, même c'est celui-là, je ne crois pas. Tu me fuses, tu me. Tu sais, t'as juste vu me aller comme ça. Ouais, Gloria, qu'est-ce que tu manges? Moi, j'ai un biscuit de sucre. Qu'est-ce qu'il y a alors, Gloria? Des cires. C'est parce que non. 2022, ce moment me dépasse déjà. Hé, hey, Gloria, 2022 vient à peine de commencer. Toi, tu dis que ça te dépasse déjà. Des cires. C'est parce que ce matin, tu as dit à Naomi, elle a amené une nouvelle copine. Sa copine est bizarre. Elle a la barbe. Hé, hey, Gloria, n'exagère pas aussi, une fille à la barbe. Oui, et la moustache, je n'exagère pas, une fille à la barbe ou la moustache. Oui, ils sont là-bas dedans, non? Va les voir. Tu vas alors faire comment pour ancrer. C'est aussi vrai. Ah, qu'est-ce que j'ai trouvé? Je vais te donner le biscuit, non? On va faire comme si on voulait boire de l'eau, on va entrer, tu vas voir. Hé. Hey. Alors, voilà. Non. Regarde, tu es encore là? Non. Aïe. Gloria, ton danger l'a fait fort. Il te dit qu'il va me tuer. En tout cas, bon. Ton danger l'a fait fort. Hey, maman. Tu es rentré. Maintenant, tu as dit que tu es parti. Que tu es parti, tu es rentré. Gloria, votre histoire de soulever jusqu'au ciel là. Ma tête fait mal à cause de ça. Tu comprends? Je suis rentré plutôt que pour me reposer. J'ai eu mon âge de réunion. J'ai pas pu trouver ma copine en journée. Donc, je vais aller me reposer. En passant, vous riez de quoi comme ça? Maman, c'est parce que non. Tata Naomi a amené une nouvelle copine là-bas dedans. Attends, mais j'ai demandé qu'elle prenne la copine ici dedans. Elle dit que c'est une nouvelle copine qu'elle a rencontrée hier. Elle est les barbes, elle a tout comme ça. Bizarre, avec la moustache en plus. Hé! Tu n'as même pas les barbes, elle a les barbes, la moustache. Alors elle est partie avec eux. Non, ils sont encore dedans. Attends, où? Chez moi. Oui, maman. Ok. Allons. Qu'est-ce qui te passe ici? Non mais attends, c'est quelle histoire ça? C'est ta... Pourquoi? C'est pas possible. Bonsoir madame. Oh monsieur. Mais on va rapidement.
là. Si 2022 va nous tuer.